les gens. On est mardi 9 juillet. On est en plein après-midi. Voilà. C'est tout est belle. Allez, je vais vous faire un résumé plus tard. Bonjour aux gens. Alors, on est le vendredi 5 juillet. On est le matin. Et je suis arrivé à ma destination finale là. Je repartirai en direction du Mont-Saint-Michel et remonter toute la côte nord, une bonne partie de la côte nord de la France, côté Manche. Donc ça va être Le Havre, Caen, au-dessus d'Amiens, la côte d'Opale, et je vais aller jusqu'à Dunkerque. Voilà.
Bonjour Jean, on est le dimanche 7 juillet et je suis à Wistrim du côté de camp où il y a la débarcation militaire de la guerre. Donc voici la plage. Il fait magnifiquement beau. Et donc aujourd'hui c'est la direction de Deauville en fleurs. Et peut-être je vais pousser jusqu'au Havre. Voilà pour cette journée.
Bonjour Jean, voilà de retour à Saint-Étienne, posé dans un parc. Le vélo est toujours vivant. Et donc on est 2 jours après mon retour. Donc je suis rentré le mercredi 10 juillet. J'ai fait 12 heures de train avec les correspondances. J'avais 2 heures de correspondance à Paris et 1 heure à Dijon. Donc j'ai pris le train de Amiens à Saint-Étienne. J'en ai eu pour à peu près 50 euros. Ça va à peu près quoi, pour ce tarif. Et donc le bilan, ben, en général, ça s'est bien passé pour moi au niveau santé. Tout allait très bien, bon, un peu de fatigue de temps en temps. Donc j'ai fait des pauses, par exemple à Chartres, je me suis arrêté. Au bout d'une semaine, je me suis arrêté une journée. J'ai repris le lendemain. Et sinon, au niveau bilan, route, voie verte, je dirais que c'est assez moyen. Sur la Loire à vélo, donc, que j'ai pris de Saint-Étienne à Orléans, ça allait très bien. C'est que de la voie verte, que de la voie de halage le long de la Loire. Il y a un joli petit village à voir, des villes aussi également. Et l'après-midi, comme il faisait trop chaud, c'était la canicule, donc j'en profitais pour me baigner dans la Loire. Voilà. Donc après, à partir, j'ai fait la route de Orléans à Chartres. C'était une bonne route. Et après Chartres, ce qu'on appelle donc le circuit de la Vélodyssée qui part de Paris, qui va au Mont-Saint-Michel, c'était pas si terrible que ça. Déjà aux alentours de Alençon, ça montait pas mal. J'ai une bande de 50 km, une cinquantaine de kilomètres à 4-5% de pente. Et il y a beaucoup de véloroutes en fait. Hein. Il y a sur les à peu près 400 km de circuit, il y a seulement 60 km de voie verte. Donc c'est pas très génial. Et sinon le Mont Saint-Michel, très bien à voir. Très joli à voir. Je suis monté donc jusqu'à Saint-Malo. Saint-Malo, j'ai un peu moins vu. C'est un peu une ville un peu fermée. Le fait que ce soit un château entouré d'un parc, puis tout l'aspect touristique est à l'intérieur. Et côté plage, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas d'animation. Parce qu'il y a beaucoup de courants de mer, donc ils ont voulu pas faire de choses de ce côté-là. Ensuite, je suis monté dans le nord. Donc là, j'ai visité Honfleur, puis la ville d'avant, Deauville. Deauville est très touristique et surtout très bourgeoise par rapport au fric qu'il y a, quoi. Je dirais parce qu'il y a beaucoup de magasins de prestige. Et voilà, donc par la suite, j'ai fait Honfleur, Le Havre, que je n'ai pas visité. Je suis passé par le port du Havre, un très grand port. Et ensuite, j'ai pris le train du Havre à Dieppe. Dieppe était moyennement touristique aussi. Je suis monté au Tréport. C'était moyen, c'était une partie assez moyenne de cette région. Et donc après, quand j'avais bien aimé par contre, quand la, je crois que c'est ce qu'ils appellent la côte du Nord, de Caen, Deauville et Honfleur, très jolie. C'est une région que j'ai appréciée. Et donc par la suite, le Havre, Dieppe, c'était pas assez moyen, je suis passé par la côte d'Opale, donc Berck-sur-Mer, et j'ai fait donc par Nice, j'ai tout fait par étage. C'était moyennement bien aussi. Et donc après je suis descendu à Amiens pour prendre le train. Donc ce trip à vélo a duré environ 2 semaines.
Et ensemble, au niveau pédalage, là où j'ai moins bien aimé, comme je l'ai dit précédemment, c'est aux alentours de Alençon, ça monte pas mal. Et il y a beaucoup de véloroutes et non, les voitures ne vous respectent pas, quoi. Il y a des routes qui sont à 3 mètres de largeur, les voitures elles vont d'où à plus de 80 km/h, quoi. Il n'y a pas de respect des vélos, quoi. Donc voilà pour ce bilan, et puis sur ce, je veux dire à bientôt. Et demain, c'est lundi, le Tour de France, donc qui passe le 13 et 14 juillet à Saint-Étienne. Donc je vais essayer de voir ça. Et puis voilà. Sur ce, à bientôt, merci à vous.